Loué soit l'Aïria. Je croyais que vous ne viendriez jamais. Bienvenue au camp de Lincouchan. Faites-vous partie de la troupe du capitaine Ancilla? Je suis l'héroïne de Melsenchir. C'est de soldats dont j'ai besoin, pas de héros. Ah mince. Sans soutien, pardon. Nous ne ferons pas long feu sur cette crête. Bah non, et alors. Votre aide sera la bienvenue. Nous prêterez-vous main forte? Je sais pas. Je sais pas, je suis une héroïne, je suis pas un soldat, donc à partir de là... Merci. C'est quoi cette musique? On a jamais eu un jingle comme ça quand on a lancé une quête. Non, voilà les Tuata. Venez. Poète, poète, poète. Qu'est-ce qui se passe? Personne. Qu'est-ce qui lui arrive? Poète, poète, poète. Ah oui, mais ils sont nombreux. Oui. C'est étonnant. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous aurez ainsi un avant-goût de ce que nous avons enduré. Les Tuata considèrent ce camp comme un sacrilège. Merci pour votre aide. Les récits vantant votre courage disent vrai. Arrêtez, arrêtez. Ça, je l'ignore. Le destin nous a réservé notre lot d'épreuves. Les Tuata ont enlevé notre guérisseur, notre armurière s'est enfuie et les mercenaires ont déserté quand l'or est venu à manquer. Ils campent sur le pont naturel au sud, mais ils n'iront nulle part tant que les Tuata tiendront le col de l'ombre. Ah, je peux retrouver le guérisseur, par si exemple. Si vous sauvez Colm, nos blessés pourront se battre et nous aurons encore une chance. Ils l'ont enlevé il y a 2 jours. Il faisait nuit, mais je suis sûr qu'il se dirigeait vers les grottes des colonnes de verre. Je pense que sur les 2 choix qu'on avait à la fin, là, il devait y avoir un pouce levé et un pouce abaissé, normalement, mais ça s'affichait pas. Ça revenait à dire oui, ok, ou non, je fais pas, donc. Ah, il y a des pierres de sage, de nouveau. Non. Bonjour. Bonjour, mortel. Énorme. Je suis le valet de la fierté. Oh. Une minute. L'héroïne de Melsenchir? Ouais, c'est moi, ouais. Vous venez proposer vos services? Oh. Vous arrivez à point nommé. C'est pas comme si on se connaissait pas, on s'est vu avant. Se débarrasser. Ils sont partout. Leurs visages immenses et rubicons. Rubicons. Des créatures cauchemardesques. Les maîtres Bolkan s'en servent de fantassins. Ils forcent les Bolkan à se battre. Si le cœur vous en dit, vous n'avez qu'à essayer de retrouver ces maîtres Bolkan. Ça ne devrait poser aucun problème à l'héroïne de Melsenchir. Alors au travail, héroïne. Et revenez me voir. Il parle à une tante. Au revoir. J'ai l'impression que plus on avance, plus il y a des soucis. Hein. Mais c'est que des soucis où ça va. Des soucis où on est en mode, c'est la fin du monde, on peut plus jouer. C'est un soldat. Mais c'est un marchand aussi, non? Oui. Vous êtes l'héroïne de Melsenchir? Oui. Je n'ai pas beaucoup de matériel, mais... Je me sers. Genre, c'est gratuit. Petit menteur. Il y a des prix. J'ai tout vu. Servez-vous. Du pillage? Mais c'est pas du vol. Du coup, ça va. C'est toléré. Je suis à combien là? Je suis à 79 dans l'inventaire, ça va. Faut être pire. Ok. Du coup, ouais, on a une pierre là-bas. On va faire un petit peu d'exploration. Hein. Voir si on a des points de voyage rapide aussi qu'on peut débloquer. Dans l'horreur, les cris, le visage des spectres, nous versons le sang dans ce lieu funeste. Noire est la forêt, la nuit dans les cieux, le sang jaillit bouillonnant de vos yeux. Festin des asticots, savoureuses agapes. Ils dévorent les cadavres des morts. Mes points de chair vibrantes et pugnaces pour combattre Barguin. Merci. Plus rapide que je vous en sais. De poussière morte qui avait fait un feu. Bonne ambiance. Primorida,
qui est une barrière magique. En tout cas, c'est les zones habituelles de fin de campagne dans ces aventures. C'est un cauchemar, t'es en mode bon. J'y habiterai pas, quoi, clairement. Nice. Oui, il y a des trucs jolis, hein. Il y a un aspect désolation aussi. On va faire ça, hein. On va être nombreux. Oula. C'est pas bientôt fini, oui. Non mais, vise le bon. Ok, excellent. Ok, excellent. Vite, vite, vite. Ok, un maximum d'XP. Une espèce de ravin, et des cristaux, ça doit être le fameux prismeré. On arrive sur ma gueule là. On arrive complètement sur ma gueule. Tac, on arrive ici, donc on va partir par ce groupe. Après, on partira vers l'est. Des gens à battre, un des maîtres. On a pas beaucoup de quêtes en même temps, donc on peut se permettre de faire les bolgades en même temps que le reste, surtout qu'une des quêtes est pas vraiment scénarisée, c'est juste battre des gens. J'arriverai à suivre, je pense. De l'or. J'ai beaucoup de potions comme ça, donc je vais les utiliser quand même. Plus de dégâts, c'est toujours cool. Cool. Triple vache quoi. Dido, on a eu un des maîtres Bolgan. Ce qui est cool. Le médecin, lui, il est... Oh. Ah oui, non, mais ça, c'est la quête principale. Oui, d'accord. Le médecin, il est à l'autre bout de la map. Ok, d'accord. Non, le guérisseur, il est ici. Là, il y a un des autres mecs à buter. Mais il y a un autre mec à buter encore, non? Ou l'autre mec à buter. Je ne sais pas. On ne sait pas, il est peut-être dans un lieu. Peut-être pour ça que c'est pas encore marqué. Donc là on est bon, il va falloir que je revienne. Ici. Je peux pas passer par le. Par cette partie-là. Ok. Admettons. Bon, il y a du loot là-bas, mais. Faut que je cours.
Il y a un mec qui se bat tout seul. Quoi ça? Engager mercenaire. D'accord. Tranquille. Le dos aux ennemis. Pas de problème. Poète, poète, poète. C'est quoi ce poète, poète, poète là qui arrive de temps en temps? Ah, c'est qu'on se fait... Ah d'accord, poète, poète, poète. C'est qu'on se fait attaquer par une troupe... Alors il y a une... C'est pas une embuscade mais... Il y a une escarmouche quoi. Poète, 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 c'est la musique des escarmouches. D'accord. Bah écoutez, si vous voulez, hein, poète, 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 hein, c'est la fête. Il est en dessous, Jean-Jacques, là, ok. Poète, poète, poète. Étonnant, hein, ça contraste un petit peu avec l'ambiance globale, mais pourquoi pas. Ça peut vous faire plaisir. Poète, 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 hein. Allons-y. Poète, poète, poète. Ah. Oh chouette. Un nouveau jugement. Alors la grotte des murmures. Ce combat était tellement stylé dans le principe, dans la chorégraphie. Sortie du bouclier, l'esquive qui fait qu'on reçoit pas un coup, mais c'est une esquive frappée. C'était beau. C'était beau, c'était pelé. Hein. Pelé. Ensuite, on a ici une grotte. On a normalement le fameux guérisseur hein, qu'on recherche. Pas d'autres pierres de sage, je sais. D'accord, c'est des petites zones. En même temps, on s'en doutait, hein, on est là pour avoir une accélération de pacing. Puis, il y a mine de rien, quand même, 4 lieux hein, à l'intérieur. Mine de rien. Ils sont fort regroupés. Mais laisse-moi entrer. Je voulais pas, hein. Et il y a bien deux choses ici. Il y a un autre maître et y a notre ami guérisseur. Très bien. Ok, ok, cool. Oups. Un point à faire du crochetage. Enfin, le gameplay de crochetage, mais enfin. Mais voyons. Et quoi encore? On a tout vu. Ok, on a eu le mage, c'est tout ce qui compte. Nice. Un deuxième maître de fait. Peut-être que les deux chemins vont se rejoindre. Ça nous permettre de
d'atteindre Jean-Jacques Geyser sans avoir à faire demi-tour. Sinon, tant pis, on fera demi-tour. C'est la vie. Il est tombé sur une mine. Terrible. Terrible destinée. Voilà, là, les mines de Prismer. Qui réagissent directement à ma magie. Donnez-moi accès à ce coffre. Merci. Partez, ne restez pas là, c'est un piège. Mon petit calme, j'arrive. J'ai pas entendu. C'est un siège? J'avais bien envie de m'asseoir. Qu'est-ce que tu disais? Grand Dieu, l'héroïne de Grand Dieu. Je suis vraiment désolé de vous avoir attiré dans ce piège. Je n'avais pas le choix, ils ont menacé de me torturer. Pardonnez-moi, mais je suis blessé et je n'ai pas la force de me soigner. Bah, je peux te soigner, moi, au pire, hein, j'ai des potions. Si je veux regagner le camp un jour, il va me falloir une puissante potion. Ah, puissante. Vous n'en auriez pas une par hasard? Ah, que je puisse avoir. Non, désolé, mensonge. Truc horrible. Mais du coup, si je lui donne pas, il sera blessé, il va être obligé de rentrer. Non, mais je lui filer. Je me sens mieux. Je suis pas un bâtard. Il faudra un peu de temps avant qu'elle fasse pleinement effet, mais la potion m'a ragaillardi. Si vous voulez bien m'escorter jusqu'à la sortie, je vous retrouverai au camp de lune couchant. Soyez rapide. Je suis la preuve vivante de ce qui arrive à ceux qui voyagent seuls. Non, j'en ai pas des potions, pas de sauce. Piaga. Ah mais du coup j'ai pas déblayé ce chemin. J'espère que ça va aller pour lui. Oh la vache, oh la vache, oh. Dans le doute. Yay. Oh ça va, il me suit. Je pensais qu'il allait avancer tout seul. Ah mais il y a un piège là. Je l'ai même pas vu sur la carte. Il va me faire voir. Attention, attention, on va pas activer un piège mon gars. Fais gaffe à ton boule. Mon petit boule de Geyser là. Merci pour votre aide. Oh bah un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre aide. Oui, voyons ça. Au revoir. Et gentil. Très poli. On va aller faire le dernier mètre aussi, comme ça on fera les deux débriefs en même temps. C'est par ici. Oh, des bluettes. Des bluettes, quoi. Au royaume pour des bluettes. Oh!